chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, merci de nous rejoindre notre mini-assemblée pour vivre ensemble la messe en direct de ce sixième dimanche du temps ordinaire. Comme d'habitude, nous sommes dans l'oratoire Saint-Valentin à Frassem. Ce sera donc un 14 février de l'an 273 que Valentin de Terni avait été condamné à mort pour avoir remplacé le sacrement païen de Lupercale par la cérémonie de mariage chrétienne. Aujourd'hui est donc aussi la fête de tous les amoureux. Monsieur l'abbé Jean-Marie Piron sera notre prêtre pour célébrer l'Eucharistie de ce beau jour. Le chant d'entrée que nous entendons est un enregistrement de la communauté du chemin neuf « Manifeste-toi », ce qu'il fit lors de la purification du lépreux que nous rappellera l'évangile de ce jour. Signe de la croix, tournons-nous vers la croix de Thésée. Nous espérons bientôt la revoir et qu'on pourra retourner à Thésée, à Gérizet, pour revoir cette bonne ambiance de la communauté de Thésée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, vous qui êtes prêt, vous qui êtes loin, pour célébrer ensemble le jour du Seigneur. Au début de chaque Eucharistie, nous disons, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et ça peut être une formule parfois tellement usée. J'ai trouvé un beau petit commentaire ici de ce qu'on appelle le péché originel, hein, dont plus personne n'emploie le mot. Voici ce que disait André Feuillet, prêtre de Saint-Sulpice, donc il commentait la faute originelle, le malheureux détour, dit-il. Que s'est-il passé? Mais Dieu cessait d'être à leurs yeux, Adam et Ève, le Père souverainement désintéressé, qui n'avait rien refusé à ses créatures privilégiées. Dieu devenait une sorte de tyran, jaloux de ses propres prérogatives, préoccupé avant tout de les défendre et de les protéger. L'homme était par là conduit à douter à la fois de la véracité de son Créateur et de l'authenticité de son amour. L'homme cessait ainsi de croire en Dieu. Je pense que c'est ça, l'éloignement vis-à-vis de Dieu, c'est dans la tête que ça se passe, hein, la méfiance. Nous reconnaissons donc cela qui est encore parfois en nous. Seigneur Jésus, toi qui rejoins tout homme atteint par le mal, béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui te charges de nos fautes, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ,
Seigneur, toi qui guéris tous les pécheurs, béni sois-tu et prends pitié de nous. Dieu d'amour tout-puissant, nous pardonne nos péchés, qu'ils nous conduisent tous ensemble vers la vie éternelle. Sois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. La prière d'ouverture était dans le temps intitulée « Collecte ». Ce n'est pas ramasser des sous, mais ramasser les intentions, collecter les intentions de l'Assemblée. Donc ça permet un moment de silence avant la prière du prêtre, parce que les fidèles sont appelés à intérioriser leurs demandes. C'est ce que nous allons essayer de faire à partir de mercredi, puisque le missel nous suggère cela, un moment de silence, de recueillement, pour rassembler nos intentions. Dieu, qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dans les textes que nous lisons dans la liturgie, nous avons des petites rondelles de la Bible. C'est pas grand-chose. Alors moi, je vous invite... Plus je lis tout ça, je me dis, il faut une Bible. C'est comme par exemple aujourd'hui, le livre des Lévites. On va nous lire le premier verset du chapitre 13, et puis le dernier. Donc on passe de 1, 2 à 45, 46. Donc il faut lire le reste, hein, pour comprendre un petit peu. Je vous recommande la Bible, j'ai encore lu hier soir, The Bible. Z-E, The Bible, c'est une Bible accessible, facile, n'est-ce pas, et qui donne de bonnes choses pour la compréhension. Voilà, nous écoutons donc les premiers versets du chapitre 13 de Lévite. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre,
on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et des cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera « Impur, impur !» Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi. De champs de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi. De champs de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, le champ de délivrance, tu m'as entouré. Saint Paul, Corinthiens, les premiers chrétiens de Corinthe se demandaient s'ils pouvaient consommer de la viande qui avait été immolée aux idoles. Cette viande était dans les boucheries de l'époque, si vous voulez. Saint Paul dit, ben oui, on peut, les faux dieux, c'est rien. Mais il y avait des scrupuleux qui se demandaient s'ils ne commettaient pas des fautes. Alors Saint Paul dit, ben par charité, il faut tenir compte un petit peu pour ne pas heurter, scandaliser les frères chrétiens. Et alors voilà à la finale son raisonnement qui peut nous adapter, qui peut être adapté à nous. Aujourd'hui aussi. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Alléluia. 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 Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer, à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. Et de partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de vous lire le texte de mon billet, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, et nous sommes dans la chapelle Saint-Valentin, ici à Frassem. J'ai eu une fois un pèlerin qui est venu faire un petit pèlerinage à Saint-Valentin, parce qu'il avait eu un chagrin d'amour et il cherchait son chemin. C'est le seul qui est venu. De même que j'avais eu une fois à Tibessard un pèlerin qui avait mal à la gorge, qui ne savait plus parler. Alors il était venu pour Saint-Blaise. Comme ça, il y a des pèlerins qui parcourent, suivant les besoins, qui parcourent la terre, suivant les besoins de leur corps et de leur âme. Je recommande spécialement, je profite de l'occasion pour que vous fassiez attention aussi à la collecte dans les églises, les petites églises de village, bien souvent désertes, les fonds baissent. Et pourtant, on reçoit toujours des notes pour envoyer à l'évêché. Donc, pensez à la chapelle de Frassem, mais à partout, dans tous les besoins paroissiaux. Maintenant, je vous lis mon petit... Oui, bonne fête à tous les amoureux, bien sûr. Il y en a beaucoup, hein. Vous savez que le carême débute la semaine prochaine. C'est peut-être l'occasion de faire un bilan de santé spirituelle. On fait bien une prise de sang chaque année pour évaluer l'état de notre santé et rectifier le tir si c'est nécessaire. La voiture doit aussi être entretenue au moins une fois par an. Donc à chacune, à chacun de voir son état personnel. Voici quelques éléments de réflexion, c'est très limité. Il y a beaucoup d'aspects au carême. Le carême, me semble-t-il, c'est l'occasion de renouer réellement avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, nous dira saint Paul le mercredi des cendres. Oh, nous ne sommes pas brouillés, mais les liens parfois se sont distendus. Il faudra vraiment qu'on se revoie, dit-on à celles et ceux qu'on n'a plus vus depuis longtemps. C'est nécessaire. Et nous nous en rendons cruellement compte pour l'instant, le besoin de se revoir. Nous sommes trop éloignés les uns des autres. Heureusement que Dieu n'a pas peur de nous rejoindre, mais de nous toucher où nous sommes. Nous voyons que Jésus touche celui qui avait une maladie incurable de la peau. Le toucher de Jésus est important dans l'évangile de Marc. La semaine dernière, il avait... tenu la main de la belle-mère de Pierre, elle avait invité à se lever. Et aujourd'hui, le toucher de Jésus, bien sûr, nous ne savons pas le toucher physiquement, tant comme nous, mais ce sont les sacrements pour les chrétiens. C'est le toucher de Dieu. Comment faire alors pour se laisser toucher ? Par la prière. Dieu est toujours près de nous, au plus intime de nous-mêmes, sans masque, et il nous attend. « Oh, vous allez me dire, je ne sais pas prier. » Moi non plus. Nous sommes toutes et tous des pauvres dans la prière. Nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir. Alors que faire ? Eh bien, glissons-nous dans la liturgie de l'Église, dans la prière de l'Église. La prière des heures, le missel du dimanche ou de la semaine, la fête des saints, les psaumes. Ah, ça, les psaumes, c'est une grande richesse pour aider à prier. Je vous recommande chaleureusement le psaume d'aujourd'hui, le psaume 31, qui est d'ailleurs imprimé au verso de la feuille.
Les psaumes, c'est une école de prière. En nous appuyant sur la communion des saints, nous avons reçu un trésor riche de plusieurs siècles où nous pouvons puiser à pleine main. Une fontaine d'eau vive inaltérable, une table est toujours servie, buffet gratuit à volonté. Vous n'avez pas le temps ? François de Sales disait qu'il fallait au moins prier une demi-heure par jour. Et si on n'a pas le temps, disait-il, il faut prier pendant une heure. Le carême est prescrit pour guérir notre anorexie vis-à-vis des sacrements. Nous parlons aux baptisés, bien sûr. Mais il y a sûrement une tâche préalable à remplir avant de nous initier à la prière. C'est de combler le fossé de notre ignorance. Nous sommes intoxiqués par le scepticisme, la méfiance dans le domaine de la foi. Dans tous les réseaux sociaux, les médias, nous entendons n'importe qui parler de n'importe quoi. Et nous sommes prêts à y prêter foi, par manque de discernement. Il faut vraiment se mettre à l'ouvrage pour reboiser le paysage désertique de notre foi. À chacune et chacun de chercher sa nourriture pour remédier à ses déficiences. Certains veulent nous faire croire que Jésus est un mythe, que l'Église des premiers temps l'a inventé, l'a dessiné, sans modèle réel concret. Des chrétiens très cultivés, qui n'ont pas été plus loin qu'un petit catéchisme sommaire, sont complètement paumés dans cette ambiance. Ce n'est pas étonnant si ce Jésus est devenu insignifiant pour beaucoup de nos contemporains. Des enfants même nous demandent parfois, au catéchisme, si Jésus a réellement existé. Vous voyez que la tâche est urgente, immense, mais l'Esprit Saint est là, travaille le cœur et l'intelligence des hommes de bonne volonté. Mais il faut l'aider, comme disait Jean 23. Pour ma part, je vais souvent brouter, c'est un terme que j'aime bien, parce que hein, ça veut dire une vache dans un pré, et puis qui prend le temps de digérer. Je vais souvent brouter dans un livre, et je vous le montre ici. Jésus, approche historique, de José Antonio Pagola, un historien, prêtre, exégète, théologien espagnol. C'est le frère Bernard Joseph d'Orval qui me l'a fait découvrir. Vous vous souvenez de Jésus en son temps de Daniel Robs ? C'est dans la même ligne, mais en beaucoup mieux, à 70 ans de distance. Il ne veut convertir personne, ce José Pagola, mais il veut mettre à la portée de n'importe quel lecteur ce que la recherche contemporaine peut dire avec certitude au sujet de Jésus, de sa naissance à sa mort. Il en fait un exposé clair, qui fait la part entre ce que l'on peut savoir et ce qui est à jamais hors du champ de la connaissance. C'est ce qui est noté ici, à l'inverse de la couverture. Quelle rigueur, quelle précision, et quelle rencontre du vrai Jésus dans son temps et son pays. Il n'y a pas de différence entre le Jésus de l'histoire et celui de la foi. C'est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Christ crucifié et glorifié. Être croyant ne nous dispense pas de faire marcher correctement nos ménages. Je crois pour comprendre devrait être notre devise. Je termine par encore un petit mot, c'est pas trop, ça va ? Ne vous fatigue pas. Saint Paul, en deuxième lecture, nous suggère le vrai sens du carême. Vivre l'ordinaire de la vie dans le Seigneur. La vie chrétienne est celle de la famille de Nazareth, la vie cachée, intérieure. Il ne s'agit pas de jouer au Don Quichotte ou à Cyrano. Mais être chrétien, c'est pas briller sur un piédestal comme une vedette, mais c'est l'humilité, l'oubli de soi dans les petites choses, sans jamais se rechercher. Vivre toute l'escompte à la gloire de Dieu, et non pas pour notre propre gloire. Paul aurait pu se glorifier, comme certains le faisaient qui avaient connu Jésus, mais il ne l'a pas fait. Il a suivi l'exemple de son maître et seigneur, qui a pris la dernière place. Première marche vers la glorification. La vie, c'est comme le vin. Il y a le grand ordinaire de tous les jours qui prépare le grand cru de Pâques.
quand je regarde les livres de ma bibliothèque, que j'essaye de liquider le plus possible, hein, mais je garde les livres qui s'intéressent à la foi, hein, le commentaire de la foi. Et je vois dans toute ma vie, j'ai essayé de creuser ainsi le symbole des apôtres, la foi chrétienne, qui s'enracine dans la Bible d'ailleurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec les croyants du monde entier réunis en ce dimanche, prions le Père de toute miséricorde. Si vous avez aussi des intentions personnelles qui peuvent convenir à tous, vous pouvez le dire, hein, c'est écrit sur un papier, mais prière universelle, ça doit jaillir normalement du cœur des chrétiens de l'Assemblée. Prions pour l'Église, afin qu'elle continue d'attirer à Dieu tous les hommes et soit connue comme une mère de tendresse. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Prions pour les époux chrétiens, afin qu'ils s'entraînent mutuellement à la pureté du cœur et fassent briller la lumière du Christ au cœur du monde. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Prions pour les enfants et les adolescents, afin qu'ils rencontrent la vérité et l'amour auprès de leurs parents et de leurs éducateurs, et que grandisse en eux la vraie liberté. Nous voulons te rencontrer, reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Prions pour notre communauté, afin qu'elle soit un authentique lieu de prière, de pardon et de témoignage. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer, reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. En écoutant les nouvelles tous les jours à la radio, je me rends compte que dans le monde, il y a beaucoup de pays qui sont tentés par la tentation totalitaire. Vous savez, écoutez bien, et même les dangers qui ne sont pas seulement lointains, mais très proches. Alors je vous invite à prier pour la Terre, afin qu'elle puisse réagir, fabriquer ses anticorps, pour ne pas tomber dans cet excès. Prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à toutes celles et ceux qui te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à celles et ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et partout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te célébrons, nous te glorifions, toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus, homme au milieu des hommes. Il a manifesté son amour et sa compassion aux malades et aux pécheurs. Par ses actes et ses paroles, il a témoigné que tu es un Père plein de tendresse et d'amour pour chacune et chacun, pour tous sans exception. C'est pourquoi avec les anges, les saintes et les saints, Saint Valentin, nous chantons et proclamons. Dieu, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source intarissable de toute vie, de tout amour, de toute sainteté, nous voici réunis devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, le dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémorial de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection, de l'ascension de ton Fils, dans l'espérance de sa venue glorieuse, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, élus, pour toujours vivre et servir comme tes enfants en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans l'espérance, dont nous avons bien besoin aujourd'hui, l'espérance, dans la confiance. Grâce au ministère de notre pape François, évêque de Rome, notre évêque Pierre, et toutes celles et ceux qui ont des tâches pastorales au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection des morts. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière près de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle. Débordement de vie heureuse que tu nous donneras, Père, dont tu seras la source pour toujours, et nous chanterons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Grâce à Jésus, nous sommes les enfants adoptifs du Père de Jésus, qui est notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Aide-nous à lutter contre toutes les formes du mal dans notre monde et en nous. Donne la paix et l'espérance à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres pour pouvoir aimer nos frères. Délivre-nous du péché qui nous empêche de le faire. Fortifie-nous dans les épreuves de la vie. Nous espérons le bonheur, la joie que tu promets, la victoire de l'amour sur toute forme de mal. Et nous espérons l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, le soir de Pâques, tes apôtres complètement éberlués et surpris, tu leur dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Demandons la paix intérieure et puis pouvoir partager cette paix par un petit clin d'œil ici. Et en famille, partout, avec les voisins, on peut quand même se parler, hein, de temps en temps, à distance. Invité au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le vrai corps du Christ, crucifié et glorifié, nous garde pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
Seigneur, nous venons de communier au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémorial de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la foi, l'espérance, la confiance et la charité envers toutes et tous, surtout les plus défavorisés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant dans son amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être venu. C'était la messe du sixième dimanche ordinaire en direct depuis l'oratoire Saint-Valentin de Frassème. Merci encore d'avoir élargi notre assemblée par votre présence sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct ou en rediffusion. La semaine prochaine, le dimanche 21 février à 10h, nous célébrerons le premier dimanche du carême avec monsieur le doyen Pascal Roger. Bonne semaine à tous et excellent dimanche. Bonne Saint-Valentin à celles et ceux qui veulent célébrer leur amour. Ce chant final, Veni Lumen Cordium, que vienne la lumière des cœurs.